Et le FESPACO déroule sa 23e édition. La Biennale du cinéma africain a été lancée hier au stade du 4 août. La page spéciale FESPACO vous apporte un invité détail. PPDA répondra aux questions de Viviane Tendrebiogo tout à l'heure. Et puis l'UNESCO tient à la préservation de l'Europénie et les sites assimilés. La directrice générale a rencontré les médias burkinabés hier. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Tout de suite, la page FESPACO avec Viviane Tendrebiogo. Bonjour Viviane. Bonjour Simon, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la page spéciale FESPACO de ce journal. Merci d'avoir annoncé notre invité qui est Patrick Poivre d'Arvor, PPDA comme on l'appelle affectueusement je suppose. Et comme vous l'avez suivi hier, nous sommes en direct et hier en direct du stade du 4 août, il y a eu l'ouverture officielle du FESPACO. Avant de revenir sur l'ouverture officielle du FESPACO, je suis avec M. Poivre d'Arvor. Pendant plus de 20 ans, vous avez été la vedette du 20h sur la chaîne privée TF1. Est-ce qu'on peut vous appeler PPDA? Ah oui, 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 vous avez le droit. J'ai eu le droit à peu près à tout. À la radio, on m'appelait PPA, avec les guignols de Canal Plus, PPD, et là, PPDA. Je prends tout. Patrick, ce que vous voulez, ça m'est égal. Vous n'êtes plus présentateur, mais sur les guignols, vous êtes toujours le présentateur vedette des guignols. J'ai laissé, voilà, mon double qui s'occupe de moi depuis maintenant 5 ans que je suis parti, oui. Alors, avant de revenir à notre invité, je vous propose de revivre l'ouverture officielle du FESPACO avec Évariste Combari. Silence, moteur, ça tourne. C'est parti pour la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. 101 films en compétition officielle seront diffusés dans les salles de cinéma, dont 19 films en fiction, long métrage. Cinéma africain et politique publique, tel est le thème de cette 23e édition qui se déroule dans un contexte de production cinématographique difficile. Parce que le cinéma est un élément essentiel de la culture africaine, le politique africain est plus que jamais invité à soutenir le cinéma africain, a dit Baba Ama, ministre de la Culture et du Tourisme. Le thème de la 23e édition du FESPACO, cinéma africain et politique public en Afrique interpelle les décideurs africains pour une prise en compte de la dimension économique et sociale du cinéma dans leurs choix politiques, dans les programmes et projets de développement du continent. Pays invité d'honneur, le Gabon est présent avec une forte délégation, avec à sa tête la première dame du Gabon. Je voudrais dans cet esprit saluer la présence remarquable de Madame Sylvia Bongo Odimba, épouse du chef de l'État de la République du Gabon, qui a tenu, malgré un calendrier chargé, à conduire la délégation du pays invité d'honneur de la 23e édition du FESPACO, à savoir le Gabon. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au stade du 4 août a été riche en couleurs et en sons. Cette cérémonie a été nourrie aussi par des prestations musicales enlevées et par une chorégraphie mise en scène par Sédou Boro et baptisée Wakat. La 23e édition du FESPACO enregistre l'arrivée des pays lusophones, le retour du Sénégal et la forte présence du Maroc. C'est dire que la compétition pour décrocher l'étalon d'or de Yenenga sera up. Il y
y a une tradition au FESPACO, celle de rendre hommage aux cinéastes disparus. Entre 2011 et 2013, ils sont beaucoup qui sont tombés victimes de la grande faucheuse. Les commémorations ont commencé hier dans la nuit avant de se poursuivre ce matin, place des cinéastes, par la cérémonie de libation. Voici la synthèse de ces deux événements marquants du FESPACO avec Kadisa Nougo. Charles Mensa, cinéaste du Gabon. Dieudonné Kabongo Bachila, comédien de la République démocratique du Congo. Burema Nikema et Kuka Aimé Zongo, cinéaste du Burkina. Kitia Touré de la Côte d'Ivoire. Maser Diang et Tiernon Diaye Dos du Sénégal. Voici les professionnels du 7e art africain qui ont disparu entre 2011 et 2012. La délégation générale du FESPACO a initié cette nuit d'hommage pour se rappeler de ces hommes qui nous ont quittés et qui ont joué leur partition dans le cinéma africain. À l'occasion, des trophées d'honneur ont été remis à la famille de feu Charles Mensa, qui a donné 37 ans de sa vie au cinéma. Le deuxième trophée d'honneur a été attribué à Dieudonné Kabongo Bachila, comédien, premier humoriste africain, belge d'adoption depuis 1970. Cette soirée a été ponctuée par le chant de la chorale de l'Université Saint-Thomas d'Aquin et des projections de films. On est très fiers, hein, comme je disais tout à l'heure, et puis donc c'est pour ça qu'on est présent là. Là, il y a son frère aussi qui est là, qui est venu, qui a fait le déplacement. Donc on essaye d'aller où son travail a été reconnu, quoi. Et donc du coup, moi, je suis scénographe, donc du coup, bon bah, d'une certaine façon, je vais essayer de suivre les traces de mon père. Les cinéastes africains présents à la 23e édition du FESPACO se sont retrouvés ce dimanche matin avec à leur tête le doyen Mustapha Alassane du Niger pour la traditionnelle cérémonie de libation. Mais dans la main, ils ont parcouru trois fois le monument dédié aux cinéastes africains à Ouagadougou. Une façon de se recueillir, de prier et de se souvenir des hommes du 7e art qui ne sont plus de ce monde. Mustapha Alassane, cinéaste nigérien, qui a participé à la première édition du FESPACO en 1969 avec son film La Bague du Roi Koda, lance un appel au gouvernement africain pour la relance du cinéma. C'est une cérémonie qui nous appartient tous, nous qui sommes dans le milieu de l'audiovisuel. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je dis, nous allons demander aux télévisions d'Afrique de faire un effort un peu dans notre sens là, quoi. Et eux, ce n'est pas eux-mêmes qui vont faire ça, c'est l'État, les États qui doivent faire ça. Il faut prévoir une continuité. Nous avons vu que les choses ont baissé parce que les gens ont travaillé sans producteur, les jeunes travaillent sans distributeur, les jeunes travaillent et tout ça presque au four et au moulin. C'est pas ça qu'on dit en français, quelqu'un qui fait du pain et qui va au champ et qui fait du blé et qui vient faire du pain. Non, au four et au moulin, nous sommes tous dedans jusqu'à ce jour. Une photo de famille des cinéastes africains et des invités a mis fin à la cérémonie de libation. PPDA, bienvenue au FESPACO. C'est la première fois que vous assistez à ce festival. Bien sûr, vous avez connu la Haute Volta. Comment vous réagissez à ces images du FESPACO? D'abord, j'étais hier soir là-bas, au stade. J'ai vu ce qu'était la ferveur populaire. Je trouve ça formidable. Formidable aussi qu'un gouvernement prenne en main cette histoire qui date maintenant, le doyen Alassane l'a rappelé, de plus de 43 ans. 23 éditions, enfin, il y avait eu vraiment beaucoup de travail et surtout un enthousiasme qui me plaît. Parce qu'il a raison quand il dit que c'est capital que les gouvernements continuent à aider le cinéma. Le cinéma, ça représente vraiment un pays. Et ça dit des choses sur ce pays partout dans le monde. Moi, j'ai découvert au Festival de Cannes, à Venise ou ailleurs, j'ai découvert des cinématographies de pays que je ne connaissais pas et dont je connais mieux les mœurs et les mentalités grâce à des films. Donc c'est très important, c'est un facteur d'exportation magnifique de la culture, et puis ça fait travailler des industries, ça donne à chaque fois des niveaux d'exigence à toutes des catégories de Burkinabé, par exemple, qui ont envie de s'exprimer avec cet art magnifique qu'est le 7e art.
Hier, vous écriviez sur votre compte Twitter, ouverture à Ouaga du FESPACO, le rendez-vous du cinéma africain, ambiance festive, de vraies passions de cinéma, de cinéphiles. Et pourtant, on n'était qu'à l'ouverture. Qu'est-ce qui vous faisait Parce que mon frère, qui est directeur aujourd'hui de France Culture, est venu déjà par deux fois au FESPACO et m'a dit, tu verras, il y a une ferveur. Et ils aiment le cinéma. Et c'est vrai que quand j'ai vu la liste des films qui étaient en compétition, moi j'en ai vu quelques-uns à Paris. Je vous conseille par exemple Les Chevaux de Dieu que j'ai vu, qui est un film marocain. J'ai entendu grand bien de La Pirogue, etc. etc. Il y a de très bons films. Je crois qu'il y a l'amour du cinéma d'abord au cœur de ça. Puis en même temps, il y a toute une nation qui se réunit. Vous en faites l'ouverture de votre journal télévisé, c'est formidable. Alors, vous êtes actuellement sur France 5. Vous vous présentez plus comme écrivain maintenant que comme journaliste. Qu'est-ce qui vous intéresse actuellement dans l'actualité africaine en dehors de la crise au Mali? Alors, je regarde beaucoup les choses maintenant, mais plus trop en tant que journaliste. D'abord, je suis ambassadeur de l'UNICEF, donc je suis plusieurs fois venu, notamment sur les crises du Darfour, pour essayer de voir comment les choses allaient se passer. Le Mali, évidemment, nous passionne. J'en ai parlé encore tout à l'heure avec votre président, qui nous a reçus. Il a une stature de médiateur aujourd'hui, interrégional, donc c'était très intéressant d'écouter son point de vue. Et puis, je suis frappé par une chose qui nous a dite comme ça au passage. Il nous dit, moi, cette année, je pense qu'on fera 8% de croissance. Et vous savez, ce qu'on a appris, nous, hier à Paris, c'est qu'on ferait 0% de croissance. Donc, l'Afrique qu'on a longtemps dit ou montré du doigt en disant, oh là là, ils n'y arriveront jamais, elle est mal partie. Souvenez-vous de ce livre de René Dumont il y a un demi-siècle. L'Afrique, pas du tout, redémarre. Et avec cette croissance qui approche maintenant les deux chiffres, elle peut tout à fait reprendre un rôle majeur. Alors j'espère aussi, avec beaucoup de francophonie là-dedans, parce que je suis très attaché à ma langue et à l'idée qu'il y a ce bassin francophone qui nous réunit tous. Et je suis persuadé que l'Afrique a une jolie partition à jouer dans les prochaines décennies dans le monde. Pendant plus de 20 ans, vous avez été ce qu'on appelait le sorcier du 20h. Et aujourd'hui, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes journalistes vous ont comme idole. Dites-moi, quel est le secret, s'il y en a, d'une telle longévité et surtout, comment réussir dans ce métier du journalisme? Alors, je ne sais pas trop si j'ai été sorcier. Ce que je sais, c'est que j'ai passionnément aimé mon métier. Mon milieu, ça, on peut discuter, mais mon métier, j'adore. Je crois qu'il faut le pratiquer avec beaucoup d'enthousiasme, d'abord. Beaucoup de rigueur aussi, parce que l'enthousiasme, c'est sympa, mais il faut quand même vérifier les sources. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on est dans l'époque où on sort une information, et puis après, on dit, c'est pas vrai. On essaie de rattraper. Oui. Alors on dit, c'est pas grave, ça fait deux informations. Non, ça fait pas deux informations. C'est un peu embêtant. Donc ça, c'est sûr, il faut beaucoup aimer les gens, je crois. Il faut aimer les gens à qui on parle, que ce soit à la radio, dans la presse écrite, à la télévision, et puis les gens de qui on parle. Il ne faut vraiment pas avoir parfois, vous savez, cette espèce de morgue de cynisme que certains journalistes peuvent avoir. Voilà, à partir de ce moment-là, vous êtes embarqué pour une longue carrière. Vous, par exemple, je vous souhaite une longue carrière, ainsi qu'à Simon qui présente le journal, parce que c'est un métier qui permet de découvrir le monde, qui permet de découvrir les gens, qui permet de se grandir soi-même, de se nourrir. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux 20h, vous êtes plus écrivain. À quoi est-ce que vous occupez votre temps libre? Alors là, je suis en train de terminer un livre, justement, qu'il faut que je corrige à Ouagadougou. Je reprends un avion demain soir et je dois le rendre mardi à Paris. C'est un livre qui va sortir début avril à Paris, qui raconte un peu mon itinéraire et les portraits, les gens que j'ai rencontrés. Et puis, je vais mettre en scène un opéra, Don Giovanni. J'avais déjà mis en scène Carmen, et ça me passionne. Je suis en train de terminer l'écriture d'un autre opéra. J'adapte à la télévision un film d'après un livre de Pierre Loti. Je fais plein de choses qui m'excitent beaucoup, qui me permettent de découvrir d'autres mondes que mon monde de départ, que le journalisme. Puis je fais toujours des émissions sur France 5, sur la chaîne parlementaire et sur RTL. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Simon, c'est tout pour la page spéciale FESPACO de ce jour.
Merci Viviane Tendebogo et puis merci à vous PPDA. En tout cas, merci pour vos souhaits de longévité dans le journalisme que vous nous avez dit tout à l'heure. En tout cas, comme nous parlons de culture, la préservation des ruines de l'Oropénie préoccupe l'UNESCO. C'est la directrice générale qui l'a dit aux journalistes. D'autres sites comme les parcs d'Arly et de Pendjari, la crise au Mali ont été abordés au cours d'une conférence de presse. Karim Patrick Namono. Le séjour burkinabé de Irina Bokova aura été bref, mais il aura permis à la directrice générale de l'UNESCO d'avoir des échanges fructueux et surtout d'aller à la découverte d'institutions partenaires. Au terme de sa visite et face aux hommes des médias, l'occasion était opportune pour traduire toute sa reconnaissance aux nombreux efforts consentis dans l'éducation par les autorités burkinabées. Nous considérons qu'il y a une vision, il y a une volonté politique très forte, il y a des avancées, il faut reconnaître, pour atteindre les objectifs du millénaire du développement, il faut améliorer la qualité de l'éducation. Là, nous sommes très impliqués avec la formation des enseignants. Il y a aussi le besoin de développer un système d'éducation, formation technique et professionnelle. Parce que là, ça va résoudre beaucoup de problèmes de l'emploi pour la jeunesse. Et ça va ajouter beaucoup aussi au développement. La promotion de l'éducation de la jeune fille, l'accès et la gestion rationnelle de l'eau connaîtront aussi un coup de pouce de la part de l'UNESCO. Et ce n'est pas tout. Les ruines de l'Oropénie devront aussi bénéficier de l'accompagnement de l'institution en expertise technique pour sa restauration. Un expert sera aussi dépêché les mois à venir pour étudier les parcs du Pendjari et du W en vue d'une éventuelle reconnaissance par l'UNESCO. Je pense qu'il faut accueillir ça avec entre beaucoup de gens parce que si on réussit à faire classer aussi ces sites, donc c'est l'usage de tout ce qu'on en fait qui va amener des facteurs de développement et au niveau des populations locales et au niveau finalement national. De façon solennelle, Irina Bokova annonce que son institution va œuvrer à rétablir les manuscrits et les mausolées de Tombouctou pour redonner de la fierté au peuple malien. Mais le plus important pour elle serait de promouvoir la paix, car la guerre prenant naissance dans les esprits des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent s'ériger les défenses de la paix, slogan de l'UNESCO. La technique de soins de base et le management, voici ce qu'il faut exiger désormais dans les centres de santé et de promotion sociale du Burkina. 140 agents ont reçu une formation ici même à Ouagadougou. Le ministère de la Santé et la Chine Taïwan sont les initiateurs. Estelle Judith Assogba. Ces infirmiers chefs de poste des centres de santé et de promotion sociale CSPS sont venus de l'ensemble du territoire du pays. Ils ont 5 jours durant bénéficié de cette formation continue qui avait pour objectif d'améliorer leurs compétences dans l'organisation, la gestion des services de leur ressort et la prise en charge des malades. Un objectif qui a été largement atteint selon les initiateurs. Vous savez, chaque jour on apprend toujours, il y a de nouvelles techniques qui sont découvertes, qui sont mises en œuvre dans certains pays que dont nous n'avons pas connaissance ici. Et je crois que le rôle de la formation continue, c'est de mettre à jour les connaissances de nos différents acteurs qui sont sur le terrain afin qu'ils soient plus aptes à apporter des soins de meilleure qualité dans leur poste. Au cours de cette session, les participants ont allié théorie et pratique et bénéficié de l'expérience de leurs collègues de la Chine-Taïwan. Pour le chef de la mission médicale taïwanaise, il s'agissait là d'une coopération bilatérale gagnant-gagnant. En Burkina Faso, les ICP ici s'occupent beaucoup de choses. Mais chez nous, il y a des systèmes de référence. C'est plus fort qu'ici. Donc, si c'est comme ça, les ICP sont très, très importants en Burkina. On doit renforcer beaucoup de connaissances pour élargir la capacité, la habilité de prendre le soin pour les malades du paysan. Satisfaits si au sein des bénéficiaires qui repartent nourris de nouvelles connaissances, ils se disent aptes à les mettre en pratique pour le bien-être des patients. Nous avons abordé un module portant sur la planification et aussi l'organisation des équipes de santé. Donc ces 5 jours ont été d'un apport très 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 important. Cette formation nous a permis de consolider nos acquis et ça nous a permis de partager l'expérience des Chinois aussi. Et cela est un
vraiment un facteur positif qui nous permet d'associer des facteurs positifs pour progresser davantage dans le domaine de la santé. Cette formation qui s'achève est la cinquième du genre et ce sont au total 450 agents de santé qui ont été formés grâce à ce partenariat. Le ministre de la Santé a de ce fait remercié la République de Chine-Taïwan pour tous les efforts consentis dans le domaine de la santé au Burkina Faso. Le ministère du Commerce a les yeux sur le rétroviseur. À Bobo-Dioulasso, les agents d'Arthur Kafando ont fait le bilan de 2012. Ils ont aussi retracé le plan de 2013. Ahadi Sandamba. C'est un conseil d'administration du secteur ministériel CACEM ordinaire qui doit se pencher sur la politique du développement en matière d'industrie, de commerce et d'artisanat. Cadre d'échange et de concertation, ce premier CACEM a pour objectif d'une part de faire le bilan de l'année 2012 et d'élaborer un programme d'activité réalisable pour l'année en cours et d'autre part de réadapter l'organigramme du département en fonction des missions qui lui sont assignées. Et pour l'année écoulée, le bilan est jugé satisfaisant. Nous pensons que nous avons pu faire par rapport à 2011 un pas assez significatif parce que nous avons un taux de réalisé global physique d'environ 85% alors qu'en 2011 on était à 74%. Sur la partie financière, bon, nous sommes à peu près à 98%. Donc, mais je pense qu'il y a un effort à faire pour une meilleure coordination des activités au niveau du département et une meilleure synergie entre les directions pour avoir beaucoup plus d'efficacité. Le choix de Bobo-Dioulasso pour cette rencontre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat n'est pas fortuit. C'est encore pour donner un signal assez fort au niveau des acteurs économiques et aussi saisir cette opportunité pour visiter, encourager et soutenir nos acteurs économiques. Nous allons aussi pouvoir visiter les unités industrielles, surtout leur donner un signal, surtout aussi faire en sorte que certaines unités qui ne sont pas en règle sachent que nous sommes là pour les inviter à entrer dans le respect de la norme. Et nous allons encourager aussi les femmes qui sont dans la transformation et nous allons aussi visiter des unités comme l'abattoir de Bobo qui a besoin d'être accompagné aussi pour être mis à niveau. Au-delà de ce programme d'activité, ce CACEM se tient dans un contexte d'harmonisation des différents référentiels en vigueur en matière d'industrie, de commerce et d'artisanat. Juste après cette rencontre, le ministre du Commerce est allé visiter l'abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso et la Société africaine de pneumatique. Il a rencontré le personnel de ces deux sociétés et pris leurs préoccupations. Christine Koulibaly. Première étape de cette visite du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, la Société africaine des pneumatiques SAP. Une société créée en 1974 par Michelin et reprise plus tard par un groupe d'investisseurs burkinabais. Avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de francs CFA en 2012, l'entreprise est pourvoyeuse d'emplois à hauteur de 336 postes, mais fait face aujourd'hui à la fraude et à la contrebande qui limitent ses performances. Si nous avions quelques accompagnements supplémentaires dans la lutte contre la fraude, et je crois que vous avez vu la couverture de la destruction des chambres à Ouaga. Si nous avions un accompagnement beaucoup plus solide, nous pourrions engager au moins 150 personnes encore. Malgré cette situation, la SAP qui a bénéficié du programme de restructuration et de mise à niveau donne aujourd'hui des motifs de satisfaction. Il était bon que nous puissions donner un signal fort de soutien à des efforts qui sont menés au sein de cette unité par le président Lazare Soré depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, il a donné l'exemple de comment il faut être un président qui a de la vision, qui sait soutenir le développement et qui sait utiliser les ressources comme cela est prévu, parce que nous l'avons accompagné avec le programme de restructuration des entreprises en difficulté. Donc c'est un exemple que je voudrais citer et inviter les autres industriels et tous ceux qui ont pu bénéficier de notre programme de restructuration à emboîter cet exemple. L'abattoir frigorifique de la ville de Sia a également retenu l'attention du patendé Arthur Kafando. Comme vous pouvez le constater, c'est un abattoir qui est un peu vieillissant aujourd'hui. Au niveau de l'infrastructure, ça a besoin d'être repris. Et le gouvernement a déjà
à travers le ministère des Ressources animales et puis halieutiques, prévu une ligne budgétaire pour la reprise de l'infrastructure. Mais vous savez que le tout, ce n'est pas l'infrastructure. Il y a également le manque de statut dont souffre la structure qui date de 1962 et une taxe qui limite son fonctionnement. Ça fait 34 ans qu'on applique la même taxe. Et vous savez, il y a eu la dévaluation, il y a eu d'autres, le surenchement de certains produits. Pendant ce temps, le coût du kilo a augmenté, triplé. Et ils payent les mêmes taxes. Donc, nous sommes dans les difficultés pour pouvoir rentrer et résoudre le problème de quotidien qu'on a. Il y a l'électricité qui a augmenté, l'eau a augmenté. Malgré toutes ces difficultés, l'abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso, de l'avis des spécialistes, met sur le marché des produits sains et de bonne qualité, chose que le ministre a saluée tout en prenant l'engagement de porter à qui de droit les préoccupations du personnel. Le criminel était un enseignant. Ses cibles, des filles à la recherche d'âmes sœurs sur la toile. Avec cette adresse électronique, il arrivait à exploiter ses victimes. Il a été tout simplement arrêté par la gendarmerie. Sieur Sylvester. Encore un présumé cybercriminel mis hors d'état de nuire par la brigade ville de gendarmerie de Boulmigou à Ouagadougou. Le suspect, âgé de 31 ans, opérait depuis 2009 sur les sites de rencontres à partir de 4 adresses électroniques qu'il anime à lui seul. Donc dans le premier compte, il fait une annonce, il fait croire qu'il est un homme blanc très régulier au Burkina Faso, à la recherche d'une Ouagalaise pour une relation pouvant aboutir au mariage. Et dans le deuxième compte, il tire celles qui sont intéressées au motif que ce compte appartient à son ami Ouagalais. Et les filles intéressées, effectivement, entrent en contact avec ses prétendus amis vivants à Ouaga. Et lui, il leur conseille d'accepter parce qu'il a permis à plusieurs filles d'avoir des maris blancs avec qui elles vivent effectivement en Europe. Lorsqu'elles montrent une certaine réticence et les envoient sur deux autres sites, l'ami Ouagalais les envoie sur deux autres sites qu'il dit appartenir à deux filles qui vivent avec leur mari en Europe. Et c'est lui qui se retrouve là-bas encore pour dire à celles qui sont réticentes là d'accepter, parce que c'est de cette pratique qu'elles ont réussi à épouser des blancs. Il prend rendez-vous avec ses filles intéressées par l'annonce, se retrouve dans un motel de la place et l'entretient des relations sexuelles, il faut le dire, avec elles, et il prend les photos qu'il se devra d'envoyer à son ami blanc. L'arrestation du présumé cybercriminel a été possible grâce à la collaboration d'une journaliste du journal Bendré, prise pour cible par le suspect. La gendarmerie interpelle les internautes à plus de vigilance et appelle les populations à ne pas hésiter à signaler tout comportement suspect. Le prévenu, lui, encourt une peine de 2 mois à 1 an d'emprisonnement assorti d'amende selon l'article 371 du Code pénal. Allons à la rencontre d'une dame. Pas comme les autres. C'est une self-made woman. Awa Yamego est peintre à Ouagadougou. Elle a appris son métier sur le tard, mais elle exporte aujourd'hui ses produits hors du Burkina. Boukari Wedraogo. La sémiologie des couleurs n'a plus de secret pour Awa Yamego, elle qui manipule avec dextérité le pinceau. L'amour pour l'art a commencé dès sa jeune enfance et à force de persévérance, elle a gravi les échelons sans toutefois passer par une école d'art. Son premier contact avec le pinceau remonte en 1992 et c'est en 1997 qu'elle a produit son premier tableau que voici. Un tableau qui trône majestueusement dans sa galerie et l'artiste dit ne jamais s'en séparer. Malgré les péripéties liées au métier, Awa Yamego a décidé de s'y mettre de façon professionnelle seulement qu'en 2003. C'est à 44 ans que j'ai décidé de tout laisser
pour me consacrer à la peinture. Donc vous comprenez, mais à son âge là, comment elle peut prendre de telles décisions? Mais je vous avoue que ce qui a fait que je tiens et je sais que je vais aller au bout de mes projets, c'est la passion de la chose. Une passion qui suscite l'inspiration et les tableaux fusent, chacun avec son langage, difficile parfois à décoder par les non-initiés. Mais devant ses œuvres, Awaya Miogo sait bien rendre le message qui se cache derrière ces mélanges de couleurs. Passionnée de l'art, elle refuse de s'inscrire dans un registre, car pour elle, l'art n'a pas de limite. Moi, je suis à l'aise. Moi, je peins au gré de mes inspirations. Quand je peux passer du figuratif à l'abstrait, de l'expressionnisme, moi, je laisse libre cours aux gens de me cataloguer. De l'abstrait au figuratif en passant par l'art décoratif, l'essentiel pour Awaya Miogo, c'est d'avoir du bonheur et surtout d'en donner à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, je ne brasse pas de millions, je ne gagne pas peut-être comme il faut dans ce que je fais, mais je pense que je suis plus épanouie que certains qui touchent des millions. Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour Awaya Miogo qui a troqué sa tenue de travail en tenue d'appareil pour cause. Cette journée marque l'ouverture de sa galerie Wani Manegré. Pour l'occasion, la présidente du Conseil supérieur de la communication, à défaut de peindre un tableau, s'est contentée de quelques mots, mais qui trouvent ici leur signification. Oui, ce sont des œuvres qu'on pourrait comparer, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, à des œuvres d'artistes historiquement connus comme Picasso, parce que ce n'est pas des œuvres naïves, c'est assez abstrait et c'est assez profond du point de vue de leur signification. Ben, c'est un grand jour pour moi parce que c'est vrai que il y a quand même assez longtemps que je suis dans la peinture. Mais c'est vraiment la première fois que j'arrive à organiser un tel événement qui soit couronné de cette façon. Ces œuvres sont de belles factures. Les couleurs sont suaves, sont douces. Et ça dénote, elle maîtrise sa technique qui va de l'abstrait au figuratif. Et elle travaille beaucoup sur l'acrylique. Et donc les œuvres qui retracent la vie quotidienne et qui sortent aussi des émotions qu'elle ressent. À 54 ans aujourd'hui, Awaya Miogo continue d'écrire son histoire avec la peinture. Et voici un homme qui continue d'écrire son histoire, Martin Thierry. C'est un nom connu des mélomanes. L'artiste revient sur le marché du disque avec Nonga. L'album est composé de 8 titres. Il a été présenté au journaliste Frédéric Étienne Bassenga. De retour au Bercail après 14 ans d'aventure, Martin Thierry signe son retour sur la scène musicale. Nonga, c'est le nom de son nouvel album, enregistré au Burkina Faso à Sidonie Productions. Dans cet album constitué de 8 titres, l'artiste aborde les thèmes relatifs à l'amour, aux problèmes que rencontrent les enfants en Afrique, à l'alternance politique à la tête des États africains et à l'immigration clandestine. Nonga, c'est le morceau, ça veut dire mon amour, Mori. Nonga, pour dire, vous voyez que je viens de me marier, c'est sûr. Donc, c'est pour dire que à tous les amoureux, que ce que nous avons dans notre cœur, il faut l'exprimer. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore décidés de se marier ou d'avoir une copine, c'est le moment pour dire danser au son de Nonga. Voilà. En live, l'artiste a donné un aperçu de cet album à la presse et au monde du showbiz venu le soutenir. Les Burkinabés de l'intérieur du pays, eux, auront droit à l'intégralité de l'album en live, car Martin Thierry compte y effectuer une tournée très prochainement. Cette étape finie, l'artiste déposera ses valises en France, où une tournée est également prévue. Élection générale anticipée, comme toujours en Italie. Les Italiens devront choisir entre à tous les Africains qui nous suivent à travers le monde. À demain.